chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. On peut passer maintenant une journée entière sans qu'il y ait des informations nouvelles concernant le FC Barcelone. Voici quelques-unes dans cette vidéo qu'on verra ensemble juste après l'intro. Donc avant de commencer la vidéo, je vous présente Barça Shop. C'est un site de vente en ligne qui vend tout ce qui a un rapport avec le FC Barcelone. Il y a pratiquement tout ce que vous voulez pour supporter le Barça. Chaussures, casquettes, bonnets, maillots, et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle est qu'il livre partout. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, le premier. Suivez les instructions et passez votre commande. C'est très simple à faire et ça va surtout aider la chaîne. Au moment où il semblait que le débat sur un changement de manager au Barça allait se calmer, après que Joan Laporta ait soutenu Ronald Koeman, il y a du nouveau. Et ça concerne donc l'un des candidats pour remplacer Koeman, à savoir Xavi Hernandez. Selon Mundo Deportivo, le président de Barcelone, Joan Laporta, a parlé à l'ancien milieu de terrain au cours des dernières heures. Et le couple Laporta-Xavi est de retour en bon terme. Après que leur relation ait touché un terrain rocheux ces derniers temps, le nom de Xavi Hernandez est étroitement lié au Barça depuis un certain temps maintenant. Et l'année passée, lorsque Ernesto Valverde a été limogé par le Barça, Xavi avait refusé le Barça. Son nom était revenu également lors des élections présidentielles. Maintenant, avec Ronald Koeman sous pression après la récente série de mauvaises performances, le nom de Xavi refait surface et figure parmi les favoris pour le rôle d'entraîneur et avec le soutien du conseil d'administration de Barcelone. Cependant, une relation problématique avec Joan Laporta aurait été un obstacle à une progression sur ce dossier, mais selon les derniers développements, Joan Laporta et Xavi ont déjà discuté, une discussion au cours de laquelle Joan Laporta a expliqué à Xavi sa décision de soutenir Koeman, tout en abordant les rumeurs qui circulent depuis environ un mois. Ils ont ensuite résolu les différends qu'ils avaient, et même si actuellement Xavi ne vise pas le poste d'entraîneur de Barcelone, par respect pour Koeman et le club, Laporta serait conscient que l'ancien milieu de terrain serait prêt à prendre le relais en cas de départ de Koeman. Ce dernier a lui-même, après la défaite contre l'Atlético, admis que les trois prochains matchs étaient également essentiels pour lui en ce qui concerne son avenir au club. Donc c'est des matchs dans lesquels le Barça affrontera Valence en championnat, le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et le Real Madrid. Et le résultat de ces matchs s'avérera décisif pour savoir si l'ancien défenseur, aujourd'hui âgé de 58 ans, reste ou part. Xavi est sous contrat avec Al-Sadd jusqu'en 2023. Il aurait un accord verbal avec les dirigeants d'Al-Sadd, selon lequel il sera autorisé à partir si le FC Barcelone l'appelait. Et lors de la semaine du Classico, Xavi mènera son équipe Al-Sadd en finale de coupe. Maintenant, après ce match, le rapport indique que le Barça serait prêt à rendre facile le départ de Koeman. On bascule maintenant vers un autre dossier. Cette fois, c'est le point sur les blessés. Le journal espagnol AS a fourni une nouvelle mise à jour concernant Pedri González, qui est blessé actuellement. Donc, il s'était blessé face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Une semaine après, il rechute face au Benfica. En conséquence, il a raté le match contre l'Atlético. Et c'était tellement dur pour nous. C'est un joueur très important au milieu de terrain qu'il sera prêt pour le match face au Real Madrid le 24 octobre. Il n'est pas exclu non plus qu'il puisse être prêt plus tôt que prévu et revenir dans l'équipe pour le match de Champions League contre le Dynamo Kiev ou en championnat contre le FC Valence. Et c'est une très bonne nouvelle pour un Ronald Koeman sous pression et pour l'équipe. Ronald Koeman s'accroche au banc du FC Barcelone par un fil fin et maintenant tout espoir de conserver son poste de manager du club dépend des résultats positifs et ça commencera dès la reprise lors des matchs face à Valence, face à Kiev et dans le Classico. Maintenant, avec le retour de Pedri González, on peut espérer que le milieu de terrain composé de Busquets, Pedri González et Frenkie de Jong va enfin briller et diriger le spectacle. Il a raté les tours décisifs de la Ligue des Nations, bien qu'il était initialement appelé par Luis Enrique. Cependant, c'était une très bonne nouvelle pour Gavi, qui a non seulement reçu sa première sélection internationale, mais il a joué 83 minutes face aux Italiens. Et avec une prestation remarquable, il est devenu également le plus jeune joueur espagnol international à 17 ans et 3 mois. Preuve encore que le FC Barcelone a d'énormes joueurs à sa disposition, sauf que l'entraîneur ne sait pas comment les utiliser, ce qui pose un problème très difficile à comprendre. En tout cas, avec ce qu'on voit, avec Gavi, avec Nico, avec l'équipe rouge, même s'il ne joue pas, Pedri González, Frenkie de Jong, l'avenir du Barça sera bien assuré si on parvient à mettre l'homme qu'il faut à la tête du FC Barcelone. On termine maintenant avec le dossier qui sera certainement l'un des dossiers les plus chauds pour le prochain mercato, c'est celui de Sterling, actuel joueur de Man City. Pendant des années, les problèmes extra-sportifs du FC Barcelone sont restés cachés, car tout simplement, avec des joueurs de qualité sur le terrain, les résultats et les trophées arrivaient sans faute. Cependant, cela a cessé d'être le cas au cours des dernières années. Et pire, le Barça a joué 9 matchs Ligue des Champions, Liga confondu, 11 buts marqués et 13 encaissés. Et avec aussi énormément de problèmes sur les côtés, de ce fait, le club a décidé d'avancer pas à pas et de travailler d'abord sur l'union offensive. En tant que tel, le nom de Sterling est apparu continuellement au cours des 6 derniers mois. Et si l'on en croit les informations du El Nacional, un journal catalan, Manchester City veut Ousmane Dembélé en échange de l'ailier anglais. Comme on le sait, l'équipe de Manchester se targue d'avoir l'une des équipes les plus fortes, avec des joueurs vedettes à chaque poste. Et pour cela, certains de ses acteurs, y compris Sterling, sont tombés plus bas. La preuve, il n'a commencé que 2 matchs de Premier League jusqu'à présent et n'a marqué qu'un seul but. Et à part
Apparemment, il a stoppé les négociations avec Manchester et aurait dit oui à Barcelone. Le Français, en revanche, n'a pas disputé un seul match après avoir subi une autre de ses blessures. Le rapport indique également que le FC Barcelone et Pep Guardiola sont en excellents termes, ce qui aiderait à conclure cette affaire. Maintenant, Sterling et Dembélé auraient tous besoin d'un changement d'environnement. Et tandis que le premier, à savoir Sterling, doit retrouver une certaine forme et confiance, Ousmane Dembélé, lui, doit surmonter ses blessures pour atteindre son potentiel. Maintenant, l'accord a beaucoup de chance pour le Barça et serait probablement un excellent choix. Mais pour City, ça semble être une idée horrible, sachant que le contrat de Dembélé expire en 2022, ce qui signifie que dès janvier, il pourrait négocier un accord de pré-contrat et potentiellement rejoindre Manchester City pour un transfert gratuit, si Guardiola le voulait. S'ajoute à cela, Ousmane Dembélé négocie avec le Barça pour une prolongation de contrat. Et il y a quelques jours également, on nous parlait de prêt pour le Citizen. En tout cas, l'avenir nous en dira plus sur le dossier. Et en attendant cela, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Je vous présente Parole aux coulisses. C'est un nouveau concept qui va se dérouler sur Instagram. Désormais, à la fin de chaque mois, vous aurez la parole. Il n'y aura pas de sujet. Ça ne sera pas non plus un débat. Donc, vous allez choisir vos thèmes sur lesquels vous voulez parler. Mais ça va concerner toujours le FC Barcelone. Donc, à la fin de chaque mois maintenant, faites vos vidéos que vous m'envoyez sur Instagram. Je vais en choisir quelques-unes que je vais ensuite poster sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, le lien de la page est dans la description de la vidéo. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.